Je vous invite à écouter la lecture de l'évangile de ce jour qui sera le thème de la prédication de ce dimanche. Vous en trouverez le texte sur une feuille qui a dû vous être distribuée. C'est un texte très connu du chapitre 15 de l'évangile de Luc. Vous ne trouverez pas exactement la traduction dans aucune de vos Bibles puisque j'ai fait moi-même la traduction et donc il y a quelques petites, variantes qui sont peut-être plus littérales que dans vos traductions. Donc Luc chapitre 15. Tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant « Cet homme accueille des pêcheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes mais qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et puis voilà la parabole qui sera le thème de la prédication. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils, et le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part qui me revient d'existence. » Et il leur répartit le bien. Et peu de jours après, rassemblant tout, le plus jeune fils partit dans une contrée lointaine, et là, il dilapida tout son bien dans une vie sans espoir de salut. Mais comme il avait tout dépensé, survint une forte famine contre cette contrée, et lui commença à être dans le manque. Et s'en étant allé, il fut fortement lié à un citoyen de cette contrée, et celui-ci l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il désirait se nourrir des betteraves que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Mais, étant entré en lui-même, il dit « Combien de salariés de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris ici par la famine. M'étant levé, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, fais de moi l'un de tes ouvriers. » Et s'étant levé, il alla vers son propre père. Mais, étant encore à distance de lui, son père le vit et fut ému de compassion. Et, courant, il se jeta à son cou et l'embrassa. Son fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, « Vite, sortez la première robe et revêtez-la lui, et mettez-lui l'anneau à la main et les sandales aux pieds. Apportez le veau gras, sacrifiez-le et mangeons en faisant la fête. Parce que celui-ci, mon fils, était mort et il vit de nouveau. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Mais son fils aîné était dans les champs. Et en venant, il s'approcha de la maison et entendit orchestre et chœur. Ayant appelé un des jeunes serviteurs, il s'informait de ce que pouvait être cela. Et celui-ci lui dit, « Ton frère est arrivé et ton père a sacrifié le bœuf gras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. » Mais le fils aîné, il fut en colère et ne voulait pas entrer. Mais son père sortit pour l'en prier. Mais ayant répondu, il dit à son père, « Voici tant d'années que je te sers toi, que je n'ai jamais transgressé un de tes commandements. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais lorsque ton fils que voici, qui a dévoré ton bien avec des prostituées, vient, tu sacrifies le veau gras. » Mais il lui dit, « Enfant,
Toi, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il vit. Il était perdu et il a été retrouvé. Je vous invite à chanter dans les petits cantiques bleus, le cantique 101, mais non pas les strophes 1 à 6 comme c'est indiqué, mais les strophes 1 et 6. Voilà, donc cantique 101, strophes 1 et 6 sur les petits cantiques bleus. Notre Dieu, à travers ces paraboles, ta parole a résonné au milieu de nous, jeunes, adolescents, adultes, personnes âgées. Tous nous sommes auditeurs de cette parole qui nous replace les uns et les autres devant la réalité de nos vies, les liens qui nous unissent les uns aux autres, liens si fort et si complexe à la fois. Veuille maintenant, grands et petits, chacun pour notre part, chacun dans le lieu où nous allons nous mettre à l'écoute de cette parole, veuille faire taire en nous toute autre voix que la tienne. Et veuille par ton esprit attester à chacune et chacun qu'ici et maintenant, ta parole proclamée, c'est le Christ, compagnon de nos routes. C'est là tout ce que nous te demandons maintenant. Thank you.
Chers amis, sans doute n'y a-t-il pas dans les évangiles parabole plus connue que celle dite du fils prodigue. Dans la littérature, dans la peinture, chez les psychanalystes, partout dans la culture occidentale est présente cette parabole. Mais surtout peut-être, et ceci explique sans doute cela, c'est chez tous ceux qui, enfants, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, ont reçu un enseignement religieux, cette parabole résonne comme l'annonce de l'amour du Père Céleste pour son enfant perdu, de retour à la maison. Étroitement liée, on l'a vu dans l'Évangile, à celle du bon berger qui cherche sa brebis perdue. Elle témoigne donc au plus profond de nous du cœur même de la bonne nouvelle. L'amour d'un père plein de compassion pour ses enfants. Je vous propose ce matin, si vous me le permettez, d'interroger une nouvelle fois cette parabole, de nous mettre une nouvelle fois à son écoute, mais peut-être, du moins vais-je essayer, d'une manière un tout petit peu différente. L'interroger, la questionner peut-être, sur les relations un peu étranges quand même, qui unissent les membres de cette famille. Un père, point de mère d'ailleurs, et deux fils. Le fils cadet donc, le plus jeune, demande donc à son père de lui donner la part qui lui revient, non pas tant d'héritage comme on le traduit souvent dans nos Bibles, pas à tort, mais disons de façon un peu plus interprétée, mais littéralement d'existence. Il demande à son père de lui donner littéralement sa part d'existence, sa part d'être. Et en retour, il reçoit un bien matériel. Dans le texte grec, l'écart de vocabulaire est notable. Et il trahit peut-être un premier malentendu fondateur de cette histoire, entre ce que demande le fils et ce qu'est capable de donner le père. Dit autrement, si vous me permettez de poser cette question, et si le fils demandait tout simplement à son père de le faire exister ? C'est-à-dire de lui donner une place qui lui permettrait d'être enfin lui-même. Et si le père, au fond, n'entendait pas la demande, ne pouvait pas entendre la demande, et se contentait de lui donner des biens matériels. Si vous avez été parent, vous avez fait cette expérience du malentendu. On vous demande quelque chose à travers des mots qui semblent dire qu'on veut quelque chose de matériel. Mais on demande autre chose. Et comme parents, nous n'arrivons pas à l'entendre. Si tel est le cas, alors on comprend mieux pourquoi, parti loin du père, le fils dilapide ce bien matériel qui ne lui permet pas d'être. Oh, certes, il a dû être content au départ, mais ce n'est pas ça qu'il voulait. Peut-être d'ailleurs ne le savait-il pas, mais ce n'est pas ça qu'il voulait. Il le dilapide dans une vie, littéralement, nous dit le texte, sans espoir de salut. Et il se trouve dans une situation qui le conduit, nous dit le texte, à être fortement lié, on pourrait dire collé, à quelqu'un d'autre. Le verbe utilisé renvoie au fait que ce fils n'est plus un sujet autonome, même s'il a voulu l'être. Il devient l'objet d'un autre, il est collé à l'autre. Un autre dont visiblement la parole ou le silence fait loi. Il n'ose même pas se nourrir des betteraves des porcs, parce que personne ne lui en a donné l'autorisation. Faut-il qu'il soit collé à la parole de l'autre pour ne pas se servir tout seul ? Cette situation de détresse, de manque, nous dit le texte, a cependant un effet bénéfique. Elle permet un retour sur lui-même et une décision radicale. La pulsion de vie permet à ce fils de ne pas sombrer définitivement dans la mort. Il revient en lui-même. Il décide de s'accrocher à ce qui reste en lui de vivant. Il va donc retourner chez son père. Il lui dira qu'il a péché
contre lui et contre le ciel. Mais où est sa faute? Où est sa faute? À quoi a-t-il désobéi? À la morale des hommes, qui veut qu'on ne dilapide pas le bien qui vous a été donné en héritage? Peut-être, mais après tout, il fait ce qu'il veut. Et puis, est-ce cela l'évangile de Jésus-Christ? Devoir demander pardon pour avoir désobéi à la morale des hommes? En menant une vie de débauche avec des prostituées, semble dire le texte. Mais, notez-le, c'est l'opinion du frère. Ce n'est pas l'opinion de l'évangéliste. C'est l'opinion du frère qui dit au père, il a mené une vie de débauche avec des prostituées. C'est l'opinion publique. On sait bien ce qu'elle vaut, mais elle est tenace. A-t-il désobéi à la volonté de son père? Mais encore faudrait-il savoir quelle elle est. En aucun moment, en effet, elle est exprimée dans la parabole. Et puis en quoi le ciel est-il concerné? J'ai péché contre toi et contre le ciel. Partir loin de sa famille, serait-ce désobéir à Dieu? C'est oublier toutes les paroles de Jésus sur la famille et la préférence donnée au royaume de Dieu sur les liens familiaux. Peut-être alors faut-il interroger d'un peu plus près le sens des mots. Il a péché, c'est-à-dire littéralement, il a manqué le but. Il a manqué la cible, selon un des sens premiers du terme grec. Qu'a-t-il donc manqué? S'est-il trompé sur son père? Attendait-il quelque chose de lui que celui-ci ne pouvait lui donner? A-t-il péché contre le ciel en cherchant du côté de son père les liens du sang? Ce qu'il devait chercher ailleurs, l'altérité? C'est en tous les cas dans une autre posture qu'il souhaite se trouver désormais. Notez-le, non plus celle du fils, mais celle de l'ouvrier. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. C'est-à-dire plus à distance, lié à son patron par un contrat. Au moins, n'attendra-t-il de son patron que ce que celui-ci peut lui donner? Un salaire, pas autre chose. On ne demande pas à un patron de vous aimer, il vaut mieux pas. Et on n'est pas obligé de l'aimer non plus. Ça évite les problèmes. Simplement, cette fois, un moyen de subsistance. Ce dont il a besoin pour l'instant, afin de pouvoir repartir à nouveau dans la vie. Peut-être d'ailleurs cette nouvelle posture lui permettra-t-elle de trouver la juste place? J'ose ici alors une question qui pourra vous paraître déplacée. Si tel est le cas, le retour était-il la bonne solution? N'y avait-il pas risque de répétition? Les choses ont-elles changé? On va le voir. Le fils cadet est donc accueilli par le père, qui très rapidement le rétablit dans la dignité de fils. En ce sens, la longue tradition interprétative de la parabole résonne juste à nos oreilles. Ce père attend avec une confiance folle le retour de son fils. Il va même au-devant de lui, il ne lui demande rien. Mais rien pourtant ne garantit que la rencontre lèvera le malentendu entre les deux. Rien ne garantit que le fils aura réglé son problème de départ. Et quel est-il ce problème de départ? Se libérer de la dépendance à l'autre. Attendre l'existence de l'autre. Vivre collé à lui. Voyez-vous, ces questions peut-être un peu oser sur le texte, nous n'avons pas l'habitude de l'entendre comme ça. La parabole les suscite, mais elle n'y répond pas. Elle se contente de dresser le portrait d'un père pris aux entrailles, qui ne laisse même pas le fils exprimer jusqu'au bout ce qu'il a à dire. C'est dire s'il est à l'écoute, le père. Sans condition aucune. Bien sûr, le repentir n'est pas une condition à l'amour du père, mais au moins aurait-il pu l'écouter jusqu'au bout. Il n'a pas pu finir sa phrase. Il n'a pas pu dire « traite-moi comme l'un de tes ouvriers », c'est-à-dire « regarde-moi autrement ». Un fils qui n'a pas effectivement le temps de terminer son discours et qui ne dira plus un mot. Alors, question, est-il libre maintenant qu'il est revenu?
Son père lui a-t-il laissé le temps de prendre la juste mesure des choses? Certes, il a compris qu'il avait manqué la cible au départ. Mais aura-t-il la possibilité de ne pas se recoller maintenant à un rôle de fils qui aurait un père trop parfait, que ça en devient insupportable? Son désir trouvera-t-il un lieu d'épanouissement un peu à l'écart de celui envahissant du père qui doit jouer ici le père et la mère en même temps d'ailleurs? Une vraie mère juive, ce père de la parabole. Ce qui était impossible, fût-ce à l'autre bout de la terre, se libérer des liens familiaux, sera-t-il possible maintenant dans la maison du Père? Vous voyez que ces questions demeurent, on est en droit de se les poser. Et puis il y a un autre fils, il y a l'aîné, la colère de l'aîné. Avouons-le, nous la comprenons. Elle est normale, saine, nécessaire, indispensable, parce qu'elle est une prise de distance par rapport à quelque chose qui n'avait jusque-là jamais été remis en question, jamais verbalisé. Le fils aîné ne faisait pas ce que le père désirait, il faisait ce qu'il pensait que le père désirait. Et sa colère est à la hauteur de tout ce qu'il n'a jamais osé exprimer. Le fait qu'il se sentait lié à quelque chose qui n'avait jamais été verbalisé, et l'impression qu'il était le gentil et qu'il n'avait jamais rien reçu en retour. Eh bien, des deux, celui qui a le plus de chances de s'en sortir, c'est l'aîné, sans doute. Car cette colère pourrait s'avérer libératrice pour lui. Il découvre en effet un nouveau visage de son père. Il le croyait despote. Il n'osait pas s'adresser à lui, il faisait tout ce qu'il fallait. Il le découvre certes plein de tendresse. Bien sûr, c'est pour l'autre, ce frère revenu que l'on n'attendait plus. Mais c'est quand même nouveau. Et ça déplace au moins au point de faire exploser la colère, de faire oser la parole. Et cette colère, expression de sa frustration, laisse l'espace pour l'expression de son propre désir. Par sa colère, l'aîné est peut-être en train d'ouvrir une brèche qui le libérera de l'emprise du désir de son père, ou de l'idée qu'il se faisait du désir de son père, et lui permettra peut-être d'enfin devenir lui-même. Et au final, vous l'avez remarqué, je ne vous apprends pas, la parole se termine sur un double silence. Celui du cadet, une fois accueilli. Que pense-t-il de tout cela? Après tout, je parle à sa place, ce dimanche, comme nous le faisons chaque fois que nous commentons ce texte. Est-il heureux de ce retour? Ou déjà frustré de ne pas avoir été entendu jusqu'au bout dans ce qu'il avait à dire? Et puis le silence de l'aîné, suite à l'invitation du père. Que va-t-il finalement décider de faire? Va-t-il s'engouffrer dans la brèche et enfin partir lui aussi en claquant la porte? Quant au père, il risque bien de devoir faire le deuil d'une famille idéale. Il cherche en effet à établir l'unité de la famille, que tout le monde soit ensemble. Mais cela semble impossible. Il y a toujours un fils qui manque. D'abord le petit, et peut-être ensuite l'aîné. Le père, comme ses fils, est donc lui aussi marqué du manque. Il marche, mais il boite, pour reprendre une image de l'Ancien Testament. Alors, voyez-vous, parabole du fils prodigue, comme on le dit parfois, parabole de la joie du père, comme on l'entend aussi, ou parabole du fils jaloux. Un peu des trois, en somme. Parabole d'un père et de ses deux fils. En fait, la position que nous occupons au moment où nous entendons la parabole est un élément essentiel de la façon dont nous allons l'entendre et la comprendre. Selon que je me comprends dans la position d'un père ou d'un fils, et d'un fils aîné ou d'un fils cadet, peu importe si je suis effectivement un aîné ou un cadet, voire un fils unique, mais selon comment je me comprends devant la parabole, elle ne résonnera pas de la même manière.
La force de cette parabole, c'est ici de parler à chacun à partir du lieu qu'il occupe à ce moment-là de son existence où il entend cette parabole. On peut avoir été ou être simultanément, selon les places que nous occupons au quotidien, dans la famille, dans l'église, au boulot, fils cadet, fils aîné ou père. La parabole nous révèle que nos réactions sont mesurables à l'aune de nos expériences personnelles. Notre besoin de nous libérer du poids de l'autre, c'est le cadet demandant quelque chose qui n'est pas entendu et recevant quelque chose qu'il ne sait pas ne pas vouloir, mais qu'il prend quand même. Ou notre expérience du manque, le cadet décidant de retourner vers son père. L'idée que nous nous faisons de notre fonction, l'attitude du père vis-à-vis de ses deux fils, ou l'expérience de l'absence, le père qui attend. Notre peur de ne pas être autant aimé que l'autre, c'est la colère de l'aîné. Et c'est pourquoi la parabole se termine de façon ouverte, sans morale. Il n'y a pas de morale dans cette histoire. À chaque auditeur, en laissant résonner la parabole en lui, de comprendre qu'il n'y a pas un fils perdu et retrouvé, mais deux fils qui manquent la cible, donc perdus, dans la quête d'un amour impossible. Deux fils qu'un père aime également, mais de façon différente. Deux fils qu'il ne sait peut-être pas bien écouter, à qui il ne parle peut-être pas assez, et à qui il donne certainement autre chose que ce qu'ils attendent. Mais c'est ce que nous faisons tous, immanquablement. Se pose alors, en terminant, la question du fait que Dieu est représenté dans cette parabole sous la figure du Père. Cette représentation est inévitable, et dans le même temps, elle est insatisfaisante. À moins de rabattre sur lui toutes les images d'un père humain, et on sait qu'elles sont ambivalentes et parfois terribles, Dieu échappe évidemment, ultimement, à cette capture. Il est bien sûr, dans l'Évangile, le père de la parabole, mais il est plus que cela. Il n'est pas réductible à cela. Certes, Dieu est représenté sous le visage d'un père, mais juste avant, sous le visage d'une femme, qui a perdu ses 10 pièces, et d'un berger qui a perdu sa brebis. C'est-à-dire que Dieu n'est pas réductible à aucune image que nous en faisons. C'est là que se trouve encore une fois la force des paraboles. Elles laissent ouverte la question des représentations de Dieu. Et elles insistent sur un message central. Quoi qu'il en soit, de la place de chacun dans le système relationnel au sein duquel il évolue. Et quoi qu'il en soit, des représentations du Dieu et du Père qui sont les siennes, l'essentiel, et que pour l'auditeur des paraboles, il entende qu'il est l'objet d'un amour inconditionnel et libérateur, et qu'il est l'objet d'un amour d'un Père qui l'écoute jusqu'au bout, et que ces retrouvailles sont la cause d'une joie indicible à laquelle il est invité à participer. Certes, cette joie est prise dans les ambiguïtés de l'existence, mais elle n'en est pas moins réelle et porteuse de vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a véritablement aucune condition requise pour être, non pas l'objet, mais le sujet de cette joie. La seule responsabilité en somme, mais elle est essentielle, c'est de l'accueillir pour moi, de la laisser faire sa place en moi et d'accepter aussi qu'elle fasse sa place en l'autre. Elle existe, elle est pour chacune et chacun. Elle est à disposition. La question c'est, y a-t-il une faille en moi pour qu'elle s'y engouffre et y trouve sa place? Si tel est le cas, alors, malgré les pesanteurs du quotidien, elle fera son chemin. Et malgré les ambiguïtés de tout retour à la maison, ce retour sera quand même et malgré tout porteur de vie. Amen.